Descente rapide. Sûrement Arana. Elle a des ennuis. Parlez, s'il te plaît. Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais, mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognardes sont redoutables. Je sais, mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Comment tu t'es retrouvée dans l'arbre ? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mère. Je l'ai même aperçu, mais un veilleur m'a repéré et a appelé sa meute. Par la toute mère, je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein. Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai ? Oh, merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. D'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Berceau de la mer. Ah.
Je vais faire profil bas. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Quelle vigilance!